Mais quel est le point commun entre ces deux hommes? Nous avons raconté l'histoire de l'homme de droite qui a vendu sa maison pour aller faire le hajj. Aujourd'hui, c'est une histoire assez similaire avec cet homme qui a pleuré en voyant un Saoudien loin de la Mecque. C'est l'histoire de cet Africain qui, à la vue d'un Saoudien, est tombé en larmes. On le voit ici sur les images demander au Saoudien s'il vient de la Mecque, et lorsque celui-ci lui répond « Oui, je viens de la Mecque », l'homme a fondu en larmes. Ce Saoudien a filmé à ce moment-là car il était extrêmement touché par les larmes de cet homme. La vidéo a ému tellement de monde que beaucoup de personnes, des gens du ministère et même de chaînes de télévision voulaient retrouver cet homme afin de l'emmener à la Mecque pour effectuer la Umrah. Il était dans un pays très éloigné, à penser à la Mecque, et Allah lui a ramené une cause pour pouvoir se rendre là-bas. Une fois arrivé à la Mecque, il a dit alors « J'ai rêvé de la Mecque, mais avec ma situation, je n'aurais jamais imaginé pouvoir m'y rendre un jour. » Les pleurs de cet homme à la vue de ce Saoudien montrent l'amour qu'il porte à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et au lieu saint de l'islam. Qu'Allah nous facilite l'accès au Hajj et à la Umrah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pour soutenir le projet TikTok musulman et ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous.